Et bien salut tout le monde, c'est HipHopGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle map. On va jouer aujourd'hui sur Find the Button, donc le Redstone Edition, donc c'est parti. Donc les amis, comme l'autre fois, on se retrouve ici dans ce lobby assez magnifique avec ses blocs de couleurs, ses shulker box, etc. Donc on se retrouve pour commencer une nouvelle map. C'était la même que l'autre fois, donc trouver les boutons, mais cette fois-ci, ce sera tout simplement avec des systèmes en redstone. Donc il faudra trouver les boutons, tout simplement. Donc Creator, toujours le même. On a ici le livre qui pourra tout simplement nous aider. Donc comment jouer? Il a 14 niveaux qui sont tous basés sur la redstone. Donc ici, il y a un coffre caché dans chaque niveau avec un bouton. Ok, donc là-bas il y a un coffre caché avec là-bas il y a un bouton caché avec dans chaque niveau tout simplement. Donc votre but c'est de trouver de le trouver tout simplement, et vous pouvez jouer en multijoueur ou en solo tout simplement. Donc les règles: jouer en survival, mode peaceful, ne pas bloquer ou casser les blocs, etc. Et fun, on va tout de suite se mettre tout simplement en peaceful. On est déjà en peaceful, c'est parfait. Starting map. Et alors ici on a encore les réseaux. Je vous mettrai encore une fois le lien de la map dans la description. Et c'est parti les amis pour le niveau 1. Ok, niveau 1, on arrive ici. Alors il y a pas mal de pistons, on va falloir trouver le bouton. Ok, d'accord, je vois le truc. Ça va être... Ok, je vois. Ça va être assez compliqué de trouver un bouton là-dedans. Déjà on va essayer de faire... Ok, on va essayer de faire quelques trucs, de regarder un peu tous les recoins. Ok. Ok. Ok, il est là. Ok, première étape, fait. Niveau 2. Niveau 2, c'est parti. On a ici des répéteurs. Alors, on va chercher un peu partout. Déjà, on va commencer stratégiquement. On a ici, on va longer ce côté. Et on va regarder dans les endroits comme ceci s'il n'y a pas un bouton. On va voir. Donc déjà, il n'y a pas de bouton au mur. Il nous a pas troll déjà pour le moment. Ok, on va essayer de regarder s'il n'y a pas un bouton sur les côtés. Pour le moment, il m'a l'air de pas y avoir de bouton. C'est un bouton en stone, normalement. Si j'ai... Oui, j'ai cru que c'était un bouton. Si j'ai bien vu. Alors, attendez. Par contre, là, ça va être galère à le trouver. Où est-ce qu'on peut cacher un bouton dans tout ça? Bonne question. Alors, attendez. Où est-ce qu'on cacherait, nous, un bouton dans ces alentours? C'est une bonne question. Peut-être qu'on passe devant, en fait. Peut-être qu'on passe devant, que je ne le vois pas tout de suite. Où est-ce qu'il pourrait bien être? Parce qu'il n'y a aucun bouton sous. Ah, ok. Ok, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On va essayer de l'atteindre. C'est une blague. Ah, ok. Niveau 3. Parfait, je me disais bien qu'il n'y avait pas de bouton sur les trucs. Donc là, nous sommes aux lampes. C'est parti, pourtant, je vais regarder au-dessus, il n'y en avait pas. Donc là, on va essayer de regarder. Du coup, on va procéder par étapes ici. Vu que ça doit être assez facile à le trouver. On va longer un peu tout ce qu'on voit. Ici, il est là, directement. On l'a trouvé, c'est parfait. Niveau 4, oh, c'est une blague. C'est une blague. Ouh. Et comment on va le trouver ici? Ok, donc... Ça va être plutôt compliqué. Alors attendez. Là, il y a un seul qui est différent. Oh! Ok! Place on the other dispenser. Est-ce que c'est un dispenser, dropper? Dropper, dropper. Il faut le placer. Donc là, il y a un dispenser. Il faut le placer ça sur un autre dispenser. Je l'ai trouvé, je l'ai juste trouvé en regardant là que c'était différent. Par contre, il faut trouver l'autre dispenser. Donc sur le mur, il n'y a pas l'air d'y avoir. Ok. Il faudra le trouver là, il est ici. Ok. Il faut le placer là-dessus. Donc on va le placer ici, voilà.
Ok, parfait, niveau 5, ok, on s'en sort plutôt pas mal, on est très rapide pourtant. C'est d'ailleurs bizarre, avec la redstone, on fonctionne très très bien. Alors, on va désactiver déjà tous les... Tu vas rester calme toi. Tous les pistons. On va essayer déjà de faire ça. Comme ceci. Voilà, comme ça. Ok. Comme ça, on sait plus ou moins... Oui. Ok. On sait déjà plus ou moins où pourrait être le bouton. Donc là, déjà, il n'y a pas de bouton dans les airs. C'est déjà ça. Pas de bouton ici. Il est là. Parfait. Niveau 6. Donc, niveau 6, tout est en redstone. Donc, va falloir le trouver. Moi... Ouais, bon, c'est un petit jump, ça va être assez facile. Ou alors c'est un petit troll, on va déjà essayer de regarder là. Non, c'est un jump, ok. Donc on va tout simplement faire le jump. Bien sûr, je suis sur la version de MCP Windows 10, du coup c'est 3 fois plus facile pour tourner et pour déjà jouer. Niveau 7, donc normalement il y a 10 niveaux. Et en tout cas, j'espère que vous aimez cette map. Alors... Ouais, donc là ça doit être aussi une astuce où il y a... Où il serait... Ok, dans le dispenser. Waouh. Ok. Et on devrait l'avoir si on saute sur la plaque de pression. Ça m'a l'air d'être ça. À mon avis. C'est un truc du genre. Que cette chose. Ok. C'est du jump boost. C'est du jump boost, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ok, peut-être pour sauter sur ça. Et pour sauter sur ça après. Non. C'est une bonne question. Ah, ici on a tous les niveaux. C'est une bonne question. Où on va aller le trouver, ce bouton par exemple. Donc pour le moment, on n'a pas encore utilisé le livre qui va nous donner des indices. Là, il y a une plaque de pression. Là, il y a une petite plaque de pression. Comment on peut l'atteindre celle-là? On ne sait pas l'atteindre. Ok. Ok, je ne sais pas du tout où il peut être. Je ne sais pas du tout où ce bouton pourrait être, par contre. C'est une bonne question. Ok, bon. Ça va nous prendre quelques temps. Du jump boost. Faut savoir pourquoi. Donc là, c'est un rond. Ok. Est-ce qu'il y a... un dispenser qui est différent. Qui serait un hooper par exemple. Dispenser. C'est tous des... Ok. Est-ce qu'on va utiliser le livre pour celui-ci? On a du jump boost ici. Comment ça se fait qu'on avait du jump boost? D'ailleurs c'est bizarre ça. Ok, on avait du jump boost mais on en a plus. D'accord, très bien. Qui devait sûrement être ici. Ou là. Ou même là. Je ne sais pas du tout. On va utiliser le livre. Alors, on est niveau... Niveau combien? J'ai déjà oublié. On est niveau 7. Du coup... Niveau 7. Dispenser, stand in the middle pressure plate. Get the leaping potion and jump. Your way, the button is... Hop of the wall. Ok, le bouton était donc au-dessus où j'étais arrivé, mais il n'y a plus de... il n'y a tout simplement plus de... De potion. Du coup, les amis, on va réinitialiser la potion. Je vais me give ça et on se retrouve juste après. Donc, les amis, nous avons du jump et c'est parti. Donc, hop, on se remet là comme on était et le bouton était juste ici. D'accord, je l'avais vu en plus, hein, je l'avais vu, mais bon... Ok, niveau 8, les amis, alors. Niveau 8. Le bouton n'est déjà pas sur le sol. Est-ce qu'il faut tourner ça? Ici. Est-ce qu'il y a un bouton dans les cadres? On va tous les mettre à l'endroit. Comme ceci. Ok. Sont tous à l'endroit, on va tous les mettre. Ok, s'ils sont tous à l'endroit,
sur un endroit partout. Est-ce que ça forme F, D? Ici. Ok, on va éteindre ça. Ok, on va tous les éteindre. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Mais bon, on va tester. Ça change rien. D'accord, alors comment on peut faire? Donc à mon avis les amis, on va devoir bouger certains comparateurs. Ok. Chut, dans les cadres. Mais je sais pas dans quelle direction. Et combien de temps il va falloir les... Je ne sais pas s'il y a un code à faire. On va les mettre tous dans le... Oh! Break the Reaper... Repeater, pardon. Casse le Repeater et Wood. Il y a un Repeater ici? Qu'on n'aurait pas vu? Il est là! Et le bois, ok! Bien vu ça. Ok, niveau 9. Alors, pas mal de systèmes de redstone. On va essayer de... Déjà, on pourrait être caché n'importe où comme ceci. Donc, on va vérifier. Non, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas non plus. On va suivre le mauve. Et on va monter. Ok. Ok. Le rouge... qui mène là, le bleu. Oui, j'ai cru que... Ok, non. Le bleu, là, il n'y a pas. Est-ce qu'il est là? Non plus. Ok, à mon avis, c'est un petit gem comme ça, un petit parcours, et le bouton, il est là. Parfait. Tout ça, hop. Ok, niveau 10, et je pense que c'est le dernier niveau, les amis. Donc, on va essayer de trouver le bouton. Par contre, ça doit être... Ok, pour ça, ok, ça doit être des torches. Ok, j'ai compris. Le bouton, il est là. Le bouton est là, les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, si on casse ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire par contre? Parce que le bouton il est vraiment là-bas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour monter? Ou au pire, je pense qu'il faut même pas monter. Alors, peut-être qu'en faisant ceci. Oui, ok. Ça va être compliqué. Ok. Ok, j'ai réussi, c'est parfait. Niveau 11, donc il y en avait plus que 10, niveau 11. Oui, là ça va être vraiment très compliqué de trouver un bouton là-dedans. À mon avis, non. Ça va être très compliqué de le trouver ici. Ah bah il est là. C'est un faux... Non. Il fonctionne pas. Est-ce que c'est le vrai bouton? Non, le vrai bouton il est là. J'ai eu peur, ok, d'accord, niveau 12. Donc ici ça m'a l'air d'être un labyrinthe. Et du coup on peut passer que dans, comme ceci. Il va falloir trouver le bouton, juste en faisant ce petit labyrinthe. Qui m'a l'air d'être sympathique. Par contre le bouton, il est là.
Ok, niveau 13, les amis, niveau 13. Alors, j'espère qu'il se trouve pas dans les hoopers. À mon avis, c'est encore une fois un petit jump. On va devoir accomplir pour trouver le bouton. C'est parfait, on commence à... Oh non, niveau 4... On va tous les faire. On a que ça à faire. Bonne question. Bon, comment on va procéder ici? Trouver le seul bouton. Ok. Bon, on est obligé de tous les faire. À mon avis, ça doit être un qui sont comme ceci. À côté des dispensers. Ok. Qui sont tout en haut. Ok, non. À mon avis, c'est peut-être celui-là ici. Le bouton qui est juste là. Alors, c'est deux-ci. Mais comment c'est pas possible de les atteindre, ces boutons-là? Bonne question. Ok, les amis. Bon. Écoutez, on va les faire tous par un. Et on verra lequel nous emmène à notre destinée. Celui-là, on l'a déjà fait. Est-ce que celui-là... Mais celui-là, c'est pas possible d'y arriver. Ok. On verra celui-là par après. On regarde déjà ceci. Hop. Mais celui-là... Le niveau... Enfin, le bouton là-bas, il est trop haut. Donc, genre, c'est pas possible, cela. Donc, on va faire déjà tous les boutons en bois. Ok. 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 Ici. Ici. Celui-là, allez. Et celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. Ok, donc il nous reste tous les boutons qui se trouvent en haut. Donc celui-là qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais c'est pas possible, celui-là. Ok. Et celui-là. Qui sont durs à atteindre. Genre, c'est pas possible. Ok. Ces deux-ci non plus. Ah si, celui-ci si. Et celui-ci aussi. Et si. Ok. Bon, celui-là est impossible à atteindre avec le levier. À mon avis, les amis, c'est celui-ci, mais... Ok. Ok. Ce bouton va m'énerver longtemps, je pense. Bon, il n'y a pas moyen de l'attraper. Vous savez quoi? On va appuyer. À mon avis, c'est peut-être celui-là. Vu que tous les autres ne fonctionnent pas. Et on va lire ici. Alors, attendez. Niveau 14. Donc, bouton et levier. Ok. Donc, cliquez sur le bouton en bois. C'est ce qu'on vient de faire. Et le seul qu'on n'a pas fait, c'est celui-là qui est vraiment... Ok, qui nous empêche. Du coup, vous savez quoi? On va se mettre en créatif. Comme ceci. Et normalement, oui, voilà. C'était celui-là. Ok, on a fini. Donc ça, c'était celui-là qui était hyper dur. D'accord. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que cette map vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé la map, si jamais vous aimez encore ce style de map, si jamais vous voulez d'autres épisodes sur trouver des boutons, etc. Donc en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamer172. Allez, bye tout le monde, ciao.